on a deux créneaux bien différents qui englobent la technique. Donc, en premier lieu, on va faire de la conception mécanique. Donc, c'est principalement du dessin assisté par ordinateur dans un milieu mécanique, donc de création d'équipements mécaniques. Et en deuxième lieu aussi, on a le créneau fabrication où là, on va fabriquer les pièces qui vont servir aux différents assemblages qui ont été conçus. Donc, on va faire de la programmation assistée par ordinateur sur des machines à commande numérique. Dans la plupart des milieux industriels, il va avoir besoin d'équipements automatisés ou de produits. Donc, on va être appelé à concevoir, créer ces équipements-là. On va aussi se retrouver dans les milieux de production. Donc, les pièces, bon, si on prend entre autres l'aviation ou des équipements automatisés, on va avoir à faire des pièces pour l'assemblage de ces produits-là. Donc, on va faire de la fabrication en série ici. Ici, les étudiants sont passionnés par la mécanique. À la base, ils aiment la mécanique, ils sont créatifs. Qui ont le goût d'évoluer dans un programme où on invente, on crée des choses. De plus, dans un milieu où c'est qu'on a de l'équipement à la fine pointe de la technologie, c'est un très beau programme. En plus que les perspectives d'emploi et l'avenir sont très intéressantes et très variées. Donc, je vous dirais go, nous vous attend.